Bonjour à toi, donc je te retrouve pour la série des Yoga Express et nous sommes sur la vidéo numéro 7. Je te rappelle que ce sont des vidéos qui font entre 10 et 20 minutes, ce que tu pourrais intégrer dans ton quotidien. Il y a des niveaux de réalisation un peu différents en fonction de chacune. À chaque fois, il y a des options qui te permettent de prendre quand même le pas, même si effectivement tu débutes, mais crois en toi. Voilà, vidéo numéro 7, il te suffit de prendre un tapis. Un moment rien que pour toi, ta bulle, coupe le téléphone, un encens, une petite tisane, un temps de respiration, de pause. Vidéo numéro 7, en numérologie, le 7, c'est la conscience, maître du sens, la spiritualité, la profondeur. Donc voilà, au nom de la clairvoyance aussi, donc nous allons vivre ça au travers de mouvements spécifiques, d'asanas différentes de yoga. Donc réalisation assez avancée sur celle-là, mais il y aura des options, comme je te l'ai dit au départ. Au niveau physique, on va travailler sur la proprioception, l'équilibre, ancrage, alignement grâce à la respiration. Au niveau émotionnel et psychique, nous allons œuvrer sur voir au-delà, changer d'angle de vision. Je te laisse faire avec tes commentaires, je ne l'ai pas trop dit dans les autres vidéos, mais n'hésite pas à me faire tes commentaires. Moi, ça me permet toujours d'améliorer encore plus et de répondre encore plus à tes besoins. Si j'ai oublié de le dire dans les autres, voilà, je pense à le dire maintenant pour toutes les autres. C'est parti, je lance la musique. Belle route à toi. Donc, pied bien dans le sol. Inspire profondément au sommet du crâne, vers le ciel, menton rentré. Ressens l'étirement de la nuque, comme si tu détachais ta tête de tes épaules. Inspire profondément, focalise entre tes deux yeux. Troisième œil tourné à l'intérieur. À partir de maintenant, à chaque expire, tu plonges un peu plus à l'intérieur. Inspire, sommet du crâne vers le ciel, menton rentré. Expire à l'intérieur. Trouve ton équilibre, posture de la montagne. Inspire profondément, fais durer l'inspire, sat, sommet du crâne vers le ciel. Fais durer l'expire, coccyx dans le sol. Inspire profondément, ramène le genou droit contre la poitrine. Trouve ton équilibre. Si c'est trop instable, tu peux t'appuyer sur un mur à côté de toi. Inspire, presse le genou contre la poitrine, menton rentré. Expire dans la posture. Tu peux mettre tes mains sous ton pied. Inspire profondément, repousse bien le sol avec ton pied gauche. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, je m'ancre dans ma jambe gauche. Je prends de la hauteur. Tu peux rester ici ou aller un peu plus loin. Inspire, à l'expire, tends ta jambe droite. Inspire profondément, poitrine vers le genou. Expire dans la posture. Si ça tire trop, fléchis un tout petit peu. Je mets de la souplesse, de la respiration, du souffle dans ce qui est rigide. Inspire, expire dans la posture. Inspire profondément, expire dans la posture. Fléchis à nouveau, prends appui sur un mur imaginaire. Ouvre le genou droit sur le côté. Tu peux passer les mains en gaine mudra à gauche. Inspire, sommet du crâne vers le ciel, menton rentré. Expire, bien ancré dans le sol. Je trouve mon équilibre grâce à la respiration. Tu peux rester là ou aller un peu plus loin en mettant ton pied sur ta main droite. Inspire profondément, expire dans la posture. Inspire, expire. Si tu le souhaites, tends ta jambe droite. Porte ton regard sur la main gauche. Inspire profondément, expire dans la posture du Y. Multidimension, je change d'angle de vision. Inspire profondément, expire dans la posture. Fais durer l'inspire, fais durer l'expire. Relâche quelques instants, élimine les tensions. Jambe droite, jambe gauche. Inspire, main loin vers le ciel. Expire, reviens dans ton assise, dans ton bassin. Main jointe. Inspire, main loin vers le ciel. Presse les mains l'une contre l'autre. À l'expire, presse tes genoux, aspire nombril, coccyx sacrum. Assieds-toi dans une chaise imaginaire, remets ton plancher pelvien en place, reviens en ton centre. Troisième œil, tournez à l'intérieur. Inspire, main loin vers le ciel, expire, relâche. Fessiers serrés. De nouveau, trouve ton assise au niveau des pieds, dans le sol. Inspire, sommet du crâne vers le ciel, expire, talon dans le sol. Dégage cette fois ta jambe gauche. Encercle ton genou gauche. Inspire profondément.
Presse le genou contre la poitrine, menton rentré, ce qui permet de détendre aussi le bas du dos, les lombaires au niveau physique. Inspire profondément, expire dans la posture. Tu peux garder la jambe droite fléchie ou la tendre à ta convenance. Fixe un point loin devant toi. À l'inspire, imagine ton sommet du crâne, ta colonne qui s'étire vers le ciel. À l'expire, tu es bien ancré dans le sol. Trouve ton équilibre. Si tu es à l'aise, passe ton pied gauche sur ta main gauche, sur tes mains. Inspire profondément, expire dans la posture. Et tu verras qu'en pressant au milieu du pied, tu agis sur le foie, tu sentiras. Inspire profondément, expire dans la posture. Tu peux rester là, trouver ton équilibre, ou aller un peu plus loin en passant jambe gauche tendue. Inspire profondément, expire dans la posture. Inspire poitrine vers le genou, expire menton vers la cheville, respire dans la posture. Fais durer l'inspire, fais durer l'expire, trouve ton confort, quelle que soit la situation du moment. Inspire, expire dans la posture. Fléchis et tu pourras passer, j'ai un tapis qui colle, tu pourras passer ton pied, encercler ton genou gauche avec ta main gauche, prendre appui sur un mur imaginaire ou un vrai mur à droite. Ouvre le genou sur le côté. Inspire, expire dans la posture. Inspire profondément, sommet du crâne vers le ciel, expire dans la posture. Tu peux rester là ou aller un peu plus loin et poser ton pied gauche sur ta main gauche. Inspire profondément, sommet du crâne vers le ciel, expire dans la posture. Inspire, à l'expire, tend ta jambe gauche. Posture du Y, inspire, sommet du crâne vers le ciel. Expire, talon droit, bien dans le sol. Porte ton regard sur le bout, sur tes doigts, sur la main droite. Inspire profondément, expire dans la posture. Inspire, sommet du crâne vers le ciel, expire dans la posture du Y. Changez d'angle de vision, de point de vue. Voir plus loin, voir au-delà. Relâche. Ébroue les énergies bloquées. Jambe droite, jambe gauche. Évitez les tapis qui collent. Inspire profondément. Expire dans la posture. Main loin vers le ciel. Inspire, presse tes genoux l'un contre l'autre. À l'expire, aspire, nombril, coccyx, sacrum. Remets en place le plancher pelvien. Relâche dans la posture de la montagne. Inspire profondément, passe sur les pointes de pied. Reste sur tes boules de pied quelques instants. Inspire, main loin, loin vers le ciel, suspendue dans le vide par les poignets. Mains et doigts face à face. Inspire, expire dans la posture. Inspire, main loin vers le ciel, expire dans la posture. Relâche. Tu pourras passer à nouveau le genou droit vers la poitrine. Tu vas voir que tu as gagné en aisance par rapport au départ. Inspire, genou contre la poitrine, repousse bien le sol avec ton pied gauche. Inspire, expire dans la posture. Tu peux rester là ou à nouveau positionner tes mains sous ton pied. Tu peux aller encore plus loin en encerclant ton genou droit par l'intérieur avec le bras droit. Et avec ta main gauche passe dans ton dos, attrape ta main gauche avec ta main droite. Posture du sage. Inspire, expire. Connectez à ma sagesse intérieure, voire au-delà. Que dirait le divin en moi? Que voit le divin au-delà de cette situation? Inspire, expire dans la posture. Relâche. Ébroue les énergies bloquées. Inspire profondément, expire, remets en place le plancher pelvien, main jointe. Laisse aller tes genoux de côté à côté en rentrant le ventre, en inspirant coccyx, sacrum. Inspire, expire. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Expire dans la posture de la montagne. En mon centre, à l'expire, je porte le regard à l'intérieur de moi, Ajna, troisième œil. Intuition, imagination. Inspire, ramène le genou gauche contre la poitrine. Expire dans la posture. Inspire, poitrine vers le genou. Expire, repousse bien le sol avec ton pied droit. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Expire dans la posture. Tu peux rester là, glisser tes mains sous ton pied. Inspire, expire. Voir au-delà, quelle que soit la situation, je change d'angle de vue. Puis entoure si tu peux ton genou gauche avec ton bras gauche et attrape ta main gauche avec ta main droite.
Inspire, expire dans la posture du sage. Certains l'appellent la guirlande. Inspire, expire dans la posture. Pointe de pied sur les boules avant. Expire, fléchis. Inspire, passe position à quatre pattes. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Viens t'asseoir sur tes talons. Écarte bien les genoux. Reste quelques instants dans la posture de la sagesse. Inspire, main loin, loin vers l'avant. Expire, coccyx vers l'arrière. À chaque expire, je me détends davantage. Inspire profondément, à chaque expire, je relâche. Inspire, à chaque expire, je fais corps avec ce qui est, ce qui se joue dans l'instant T, l'instant présent. Inspire, expire, éveil, conscience, spiritualité. Déroule tout doucement la colonne vertébrale. Petit mouvement avec la tête. Prends le temps de revenir lentement à toi. De t'étirer si tu en ressens le besoin ou l'envie. Et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. À tout bientôt pour la vidéo numéro 8.